Et bonjour à tous, on se retrouve sur le LP de Wildlands qui avance bien sur notre petite carte. Oh, était-ce vraiment celui-là? Ah bah oui. Mais oui, c'est juste. Ok. Alors, ça fait déjà un bon petit moment hein, parce que j'ai eu beaucoup de choses de mon côté. Des choses joyeuses, d'autres un petit peu moins, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas eu de temps pour jouer quasiment. Mais c'est pas grave, on se rattrape maintenant. Et puis je vais essayer d'enregistrer tous les épisodes d'un coup. Sachant que ça me permettra comme ça d'avoir après une série qui va sortir à jour régulier. Je pense que ce sera tous les samedis, je pense. Et puis ben comme ça sera chouette pour tout le monde. Alors, carrière, machin, truc, chose chouette. Ok, on va accélérer un peu tout ça. Je crois que je peux plus faire grand chose là. Donc j'avais avancé. Ah oui, une bonne nouvelle, c'est que normalement, il me semble que je suis à la carte le Nil. Et sur cette carte, je crois que c'est ça. Hein. Et ce sera une des cartes du coup qui sera employée pour le tournoi qu'on fera un peu plus tard. Alors, mine de fer ne donne plus rien. Alors, on va faire comme ça. On veut une grande auberge. Non, on va pas la détruire. On veut une grande auberge, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, une petite brasserie qu'on va transformer en grande brasserie. Ok. Voilà. Ensuite, on va mettre une petite carrière là. On va regarder ce qu'il y a par là. Je me souviens plus du tout. Je sais même qu'on avait été désynchronisé, enfin, c'est comme j'avais mis, c'est-à-dire que j'avais un problème avec la sauvegarde, du coup j'avais tout effacé, mais du coup, enfin, tout effacé, j'avais pas mis la fin, histoire de reprendre au même endroit, mais je sais même plus, oh là 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 là, faudrait que je m'y refasse un peu. Ah. Bon. Enfin, c'est pas bien grave, de toute façon, on sait où on en est, hein. On est là, ça c'est sûr. Bon, apparemment, il y a un tout petit peu de fer par là. On va prendre. Tout le fer est bon à prendre. Tac. Et puis, de ce côté-là, il me semble que ça devait être le charbon et les trucs du genre. On va voir. Charbon et or. Oui, j'ai dit les trucs du genre. Non, il n'y a que de l'or. Bon, bah. C'est pas mal quand même, hein. Un peu d'or, on va pas se plaindre. Du coup, on va lancer une. Pas une barricade, qu'est-ce que je fais? Aïe aïe aïe! Fonderie, fonderie, fonderie! Ok, quelques fonderies. Ensuite, on va faire un tout petit début de d'industrie métallurgique. Non, en fait, on va y aller en mode gros port, ça marche aussi. Tac, j'aimerais un camp d'entraînement, s'il vous plaît. Et aussi une arène de combat. Voilà, comme ça on a tout ce qu'il faut pour faire monter les soldats. Faudra juste améliorer les forges. On fera ça pas tout de suite, comme ça on aura quelques outils en attendant. Ensuite, là on va couper le bois. Et on va aller un peu plus loin. Tac. Ici ça se développe bien, c'est cool. Et notre autre colonie là. Ouais, alors là ça va être très la guerre dans très pas longtemps. Alors. On va faire comme ça, histoire de faire venir un max de soldats. J'ai déjà vu qu'il y a des places disponibles, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Est-ce que j'ai déjà. Oui, ça fait tellement de temps, je me souviens même plus si j'ai. Voilà, fabrique de hache, j'en ai une pour l'instant. Bon, et eh ben on va passer à beaucoup. 1, 2, 3, beaucoup. Alors, une forge, une deuxième forge. Allez! Vous savez pas quoi, on va baisser un peu la vitesse localement. Tac. Ok, ensuite, il me faudra aussi un truc pour casque. Voilà. Ça en augmente, ça en augmente. J'aimerais un entrepôt juste là pour stocker tout ce beau matériel de guerre. Et voilà.
Et là, on est content. Ensuite, ici, on fait une autre liaison par là, pour soulager un peu la ligne qu'elle a en bas, qui est complètement saturée. Pouf. Ensuite, on manque de stone. Stone, on manque de stone. Ça, c'est fait. Tac. Voilà, je pense que logiquement, il y aura du charbon et du granit, ou l'inverse. Si je suis la logique que là, on a du fer et de l'or. On verra. Veine principale, machin. Ah. Eh ben, on va chercher plus d'or. Et de charbon. Et de charbon. Et de charbon à double. Les brasseries. On a déjà tout plein en fait. On peut faire des nouvelles brasseries petites. Oui, c'est toujours un poil compliqué de reprendre une partie après quelques temps quand on n'a pas joué parce qu'on sait plus où on en est. Mais vous inquiétez pas, ça va vite revenir. Quelques fermes pour alimenter ces brasseries. Voilà. Et puis maintenant, on va mettre de l'eau. Il me faut de l'eau. Tac. Pour les plus vieux d'entre vous qui regardez, s'il y en a, c'était une pub à l'époque pour des bouteilles d'eau. Alors, ok, ça en est bon. Ensuite, ici il se passe pas grand chose. On va partir explorer par là-bas. Ça, on fait juste un petit peu de bois, c'est tranquille, tout va bien. Du bois qui est stocké d'ailleurs. C'est bon à savoir. Parce que d'un coup, si je dois me développer là-bas, j'aurai ce qu'il me faut. Voilà, on va les faire très profondes ces mines. Et puis là, on peut aussi avancer un petit cran. Tac. Voilà. Ensuite. Une forteresse. Alors, attends, on va t'enlever. On va en mettre un là. Hop, on est content. Voilà, comme ça, là, ça commence à être très l'usine pour faire très la guerre. Je sais pas si vous entendez dans mon micro. C'est pourtant le son qui est dans mon casque, hein, donc. Parce que j'ai réessayé encore, et je n'arrive toujours pas à obtenir un retour de son correct sans l'entendre moi dans les oreilles. Sinon, ça fait un effet Larson et ça explose les oreilles. Donc, voilà. Tant que j'ai pas cette solution-là, je ne peux pas enregistrer ma voix en même temps sur un seul fichier. Donc, je préfère pas enregistrer le son du jeu plutôt que de l'enregistrer puis après. Devoir penser à faire un montage avec Audacity et risquer de me planter en fait. Pas ce sera jamais parfaitement synchronisé malgré tout. Alors, toi, t'as vidé l'eau, parfait. On va te mettre là. Ah, il a vidé l'eau des poissons, hein. Il peut vider l'eau tout court. Alors, ensuite. Là, ça c'est très la construction. Est-ce que. Moi je voulais faire du pain. Ah oui, des boulangeries, c'est bon. Ok. Alors, encore une ferme. Puisqu'on peut en. Une barricade. Ensuite. Une boulangerie encore. Ok. Un puits. Oui, on met plein de puits au milieu du désert, c'est tellement logique. Bon, je sais que si j'en mets un là, il sera beaucoup plus rentable en eau, mais il n'y a pas forcément la place, parce qu'il faut en garder pour faire pousser les arbres. Et puis il y a aussi le problème que s'ils sont sur des grosses lignes très saturées, ben c'est un peu embêtant. Alors. Ok, voilà. Ah, on a une connexion directe, on va l'utiliser. Ça va quand même, suivant quoi, ça peut aller plus vite. Suivant ce qu'on a besoin d'amener rapidement. Ensuite, les forteresses là se construisent gentiment. Niveau production en hache. Ouais, ça va. Ça produit bien. D'un point de vue militaire, je pense que du coup. Ah, même pas. Je pensais que je ferais une plus belle montée que ça encore. Alors, mais il faut absolument que j'ai des soldats qui arrivent là.
pas pourquoi j'arrive pas à avoir mes soldats qui viennent. Est-ce que j'ai du stock de haches? Carrément pas en fait. J'en produis une masse, mais. Ouais. Ok, alors on va essayer de vider un peu d'autres bâtiments militaires. Toi on te vide. Toi on va te vider. Parce que ça va être très la guerre dans très pas longtemps. Alors si on peut expédier un peu un petit corps expéditionnaire en vitesse. Expédier un corps expéditionnaire. Moi il en a bien parlé de la France. Voilà. Comme ça, il y en a une partie qui prend dans le bateau et qui rend en bas. Et les autres seront prêts à partir. On va remettre un truc là. Qu'est-ce qu'on peut miner ici? Allez, charbon. Ou alors charbon, c'est là. L'autre côté, ce sera granit. On verra. Pouf. Ensuite, si je prends ma carte. Ouais, donc là j'ai. Toujours rien de plus de construit. Toujours rien de plus. Est-ce que mes soldats sont encore sur le. C'est un peu étonnant. Ah, c'est encore de l'or. Autant pour moi. Encore de l'or et du fer. Bon. Bah, on prend, hein, on va pas. On va pas s'en plaindre. Là, on produit plus rien en fonderie. C'est quoi qui manque? Ah, du fer. Bon, on va augmenter la production de fer alors. Faites plus de fer, bande de fer néant. Alors, tac. On va essayer de produire un petit peu local, hein. Par là, ça évitera d'importer des masses de. Des masses de nourriture depuis loin. Une taverne. Non, je vais mettre là au bout en fait la taverne. Je vais essayer de mettre un chasseur là. Qui ira alimenter la taverne. Et ici. Un garde-chasse. Une taverne encore. Là, ça sera pas un garde-chasse, mais un chasseur. Avec un garde-chasse à côté. Voilà. Perfetto. Là aussi, ça va être très la guerre. Alors, est-ce qu'ici, on a du monde qui arrive? Toujours pas. Mais c'est pas possible. Mais faites quelque chose. Si je fais comme ça, est-ce que ça va les aider à venir? Parce que là, je vais pas être négatif, mais c'est vachement embêtant quand même. Est-ce que j'ai des soldats là? Non. Ah. Il y a du monde qui arrive. Mais c'est pas possible. Dites-moi qu'il y a des soldats quelque part. Mais oui, j'en ai. J'ai bien des soldats disponibles. Pourquoi ils viennent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas jusque là en bas? Pourquoi est-ce que tout est bloqué? C'est comme si on était. On était déconnecté en fait. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, eh ben on va. On va mener une opération. Une expédition de secours. Et puis là, est-ce qu'on a augmenté un peu la production de fer? Pas tellement. J'aimerais bien que ça monte là. J'aimerais bien que ça monte. Ah ben. Vu qu'on a la place. Ah mais c'est mine d'or. D'accord. Donc il faut vraiment que je réussisse à récupérer ce terrain-là. Bon bah voilà. On va jamais mettre ça. Ça fera un petit bout de plus. Je pige pas. Bon. Alors. Oh
le crash. C'est très le crash. Bon, bah écoutez, catastrophe. Non, bah c'est très très, très très le crash, hein, puisque j'ai absolument tout perdu. En fait, c'est la sauvegarde automatique qui a crashé. Alors du coup, ben... ouais, écoutez, je pense qu'on va laisser tomber cette série pour l'instant, en tout cas. À voir si je reprends plus tard, parce que... ben voilà, quoi, le jeu est contre moi, tout simplement. Ça n'empêche pas que j'essaierai de faire des records quand même du jeu quand on sera en... Quand on sera... avec le... Ah, ça y est, j'ai planté. Oui, quand on fera le tournoi, très très bientôt, hein. Ça, je vous promets que ça va arriver, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de trouver aussi les logs pour savoir ce qui s'est passé avec ce crash. Je pense que c'est en rapport avec le fameux port ici qui était plus relié en fait. Alors voilà. Du coup, ben, je suis désolé pour ça, mais je pense que ce sera du coup la fin de la saison 2. On reprendra une autre fois, quoi. Et puis, ma foi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!